Les frérots, non, non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, je vous fais gagner cet incroyable RAM. Quel plaisir quand même de vous faire gagner cet incroyable RAM préparé tout droit venu de chez Audemars. 200 chevaux moteur, le freinage Brembo, les gros étriers GP4RX, le mètre cylindre, les durites qui ont été faites sur mesure pour conserver la baisse, pour que la moto soit légale. C'est une dinguerie les amis. La demi-ligne complète Akrapovic en titane, le silencieux en titane des ténèbres, le bruit des enfers, les pure sound, les amis. On fait gagner avec bikelife.fr un sacré monstre. Je peux vous assurer un truc, c'est que si 8 ans arrière, on m'aurait dit, ouais, Cubenz, un jour, tu pourras rouler en RAM du Seigneur full carbone. Sachez que je l'aurais pas cru. Mais là, ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous va repartir avec ce monstre. Le lot, pour ceux qui l'ont toujours pas compris, RAM 2023, garantie un an, entièrement équipé, la bulle haute, lèche-roue carbone, freinage complet Brembo avec les 10 T-Drive, des étriers haut de gamme, la petite selle sur mesure, RAM, Audemars, parcelle Riconfort. À savoir que la moto, c'est une première main, elle a à peine 8000 km et malheureusement, comme vous le savez, cette moto est vouée à disparaître sur nos routes. Elle n'est actuellement plus produite, du moins en version homologuée. Depuis cette annonce, la cote ne fait que grimper. Dernière en date, une RAM 2024, 38 000 € sur le bon coin. Les prix s'envolent. Donc voilà, je sais que celui qui repartira avec cette moto repart avec une valeur sûre et qu'il ne perdra jamais d'argent. Ça, ça fait plaisir. On est quand même un petit peu trop habitué au luxe. On oublie les équipements d'origine. Fourche Ohlins, amortisseur arrière Ohlins, le support de plaque court. Comme je vous l'ai dit, je suis le premier propriétaire. Cette moto, elle est sortie neuve de concession en partenariat avec Audemars. J'ai fait le rodage dans les règles de l'art en hiver pour ceux qui se rappellent. Donc voilà, je sais vraiment que là, je fais gagner une pépite. C'est vraiment la moto à avoir dans son garage. Maintenant, pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur bikelife.fr. Vous sélectionnez un des trois packs au choix disponibles sur le site et vous repartez avec une, deux ou trois chances de gagner cette moto. Un tout nouveau logo uniquement pour cette collection Bike Life R1M Edition. Une petite dinguerie avec bien évidemment toute une collection assortie disponible uniquement pendant la période de concours. Et ça, ça fait plaisir. Pack 1, t-shirt, stickers, un petit bracelet. Le pack 2, suite, cache-cou, bracelet, stickers, petit porte-clés. Et le pack 3, bonnet, cache-cou, stickers collector chromé, suite, t-shirt. Enfin bref, le pack est littéralement une masterclass. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer. Tirage par huissier de justice, comme d'habitude, de toute façon, le règlement du concours est disponible sur le site. Et donc maintenant, avec le temps, je pense que vous pouvez me faire confiance, ainsi qu'à bikelife.fr sur le tirage au sort par huissier de justice. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a un frérot qui va commencer l'année 2025, non pas avec une MT10, non pas avec un GSXR, mais avec une R1M d'une valeur de 35 000 €. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé pu mettre en place un jour dans ma vie. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Un frérot qui va repartir avec mon petit bébé. Je vais pas vous mentir que ça me fait pas rien, mais ça me fait aussi extrêmement plaisir. Petite précision, chez bikelife.fr, on fait pas les choses à moitié. La carte grise de la moto est offerte et bien évidemment, on a du stock dont vos commandes sont expédiées en temps réel et ça, c'est important de le préciser. Au moins, voilà, tout est clair. On va aller rouler, faire un petit tour pour pouvoir discuter et aussi voir ce qu'elle a dans le ventre, même s'il n'y a pas de surprise, c'est un véritable monstre. Ah, vraiment les mecs, je me rappellerai toute ma vie la première fois que je suis monté sur cette moto. Alors, c'était la version 2020 et que je me suis dit waouh, waouh, c'est à moi. C'est mon petit bébé, c'est celle qui va rentrer avec moi ce soir dans le garage. Et je peux vous assurer que ça, bah, ça n'a pas de valeur. Que tu prends enfin la route avec et que tu vas faire ta balade pour la première fois, que tu rentres chez toi pour la première fois, etc. Quand je roule cette RAM et que je sais que l'un d'entre vous va revivre ses sensations comme moi, ça me fait super plaisir. Incroyable. Incroyable. Vraiment, cette moto, elle est magistrale. T'es mal le jump. Ça décolle carrément. Ça fly. Ça fly away. Ah, vraiment, les gars. En plus, vraiment, cette version, du moins pour une utilisation mixte, que ce soit pour l'emmener sur piste ou sur route, celle-là, que j'ai personnalisé. Alors esthétiquement, moi j'aime beaucoup les motos d'origine, je vais pas vous mentir, mais là on a quand même un freinage de fou furieux. Le freinage en tout il coûte 4 000 € avec la main d'œuvre, les étriers, les gros disti drive, enfin bref, le mètre cylindre, les plaquettes sont neuves, la moto sort de révision les gars, révision intermédiaire tous les 5000, donc les plaquettes avant arrière sont neuves, j'ai refait une purge, voilà, vraiment c'est une horloge vidange
Bien évidemment, la moto elle a été entretenue chez Yamaha. Tu te retrouves quand même sur une moto sur route ou sur piste extrêmement performante, que ce soit par la cartographie sur mesure, tout droit venu de chez LRT, de son ingénieur, qui est une dinguerie. La moto sort 220 chevaux au moteur, 200 chevaux à la roue, donc on a carrément la puissance annoncée au moteur d'origine à la roue. Le tout complété avec les suspensions Ohlins. Les amis, vous avez une machine de guerre. Alors bien évidemment, elle vaut son petit pesant d'or. Mais voilà, c'est également pour ça qu'on puisse maintenant, avec bikelife.fr, aboutir à des produits sympas et également pouvoir donner une chance à l'un d'entre vous de repartir avec cette machine. Vraiment, ça, vous le savez les gars, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça me fait pas rien. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais c'est sûr que là, la RAM, vous l'entendez. C'est obligé, le Decatacra full titane, les deux Super Corsa 9, qui s'accroche au bitume et qui s'arrache par la même occasion. Oh là là. Tu sors en deux, tu touches pas l'embrayage. Hein. Surtout pas. Hein. 3, 4, 5. J'aurais même pu passer la scie, j'étais à un quart de poignée. Bien évidemment, on arrive dans les villages, on respecte. Là-bas, ça fait du parapente. Vraiment, c'est un truc que je kifferais faire, là, les gars. Franchement, s'il y a des frérots qui font du parapente et qui veulent m'embarquer avec eux pour un saut, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Cette moto impose le respect et elle doit donc être également conduite par quelqu'un qui sait être respectueux. Wow. Priorité à droite. Voilà, vous avez vu pourquoi aussi il faut respecter dans les villages. Parce que là, j'arrive, là, j'étais à 30, 40. Je vais à 70, le mec il me coupe la route, il me percute au calme. Faire du bruit dans les villages, à part vraiment ennuyer le monde, je vous jure que c'est pas frais du tout de passer, de rouler, de faire du gros bruit, de passer un peu vite. Je jure qu'on passe juste pour des guignols. Là on va pouvoir se faire plaisir, mais dans les villages on respecte comme d'habitude. Un petit truc sympa sur cette moto que je voulais vous montrer, je vous l'avais montré il y a très longtemps sur la 2020, mais ça sert pas à grand chose, ça peut abîmer l'embrayage sur long terme, mais qu'est-ce que c'est drôle à faire. Procédure de launch control les amis. Premier enclenché, tu débrayes à fond. Accélérateur à fond. Ah c'est une dinguerie les gars, je vous jure c'est une dinguerie. Je vous jure que ça sert à rien, mais sur une moto comme ça, ça fait quand même plaisir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les gars, quelle folie. Quelle folie. Je parle beaucoup, mais c'est normal, c'est un grand jour. L'un d'entre vous va repartir avec cette moto. Regardez-moi les paysages magnifiques. Ce RAM du Seigneur qui chante tout droit venu de chez Yamaha Audemars. Oh là 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 là. Vous vous rendez pas compte. Vous croyez que je mens sur les chiffres. Mais cette moto d'origine a le démon. Avec la carto, c'est une folie. Oh là là. Et le freinage de fou furieux. Ces couleurs. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a un peu de vent, mais la résonance. Dommage, j'ai pas le micro dans le sac. Sur la falaise. Oh là là.
bitume abrasif à mort, il y a des rustines, ça change rien. Il y a de l'humidité, ça change un peu quand même, parce que ça glisse. Bon, les feuilles, tout. Bon, voilà les gars, vous l'avez compris, on est en automne et c'est la meilleure des saisons, malgré que le bitume soit un peu hard. Quelle moto incroyable, sincèrement. Vous avez été nombreux à me découvrir avec, comme avec la GSX-R. Ce sont deux motos mythiques, que ce soit par leur sportivité, leur agressivité, mais aussi par le contenu que j'ai pu créer avec. Ça, c'est incroyable. Les frérots, j'espère que vous avez kiffé quand même cette petite vidéo pour vous annoncer cette sacrée dinguerie. Faire gagner une RAM avec bikelife.fr. De toute façon, pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le shop, tout a été dit au préalable. Mais voilà, vous avez toutes les informations également en description. Je souhaite tout simplement bonne chance à tous ceux qui vont participer. Et également merci. Merci à tous ceux qui me font confiance, même si vous ne participez pas forcément au concours, tous ceux qui croient en moi, qui me soutiennent, que ce soit pour les différents projets, les courses moto, les vidéos, les concours, ça me fait super plaisir, c'est ce qui me donne la force d'avancer, ça c'est incroyable et vous savez que je ne l'oublie pas, j'essaye de vous le rendre, essayer de vous faire kiffer, de vous faire rêver, pour les plus jeunes, essayer de s'entraider, pour les plus vieux, essayer de vous aiguiller avec les tests moto et ainsi de suite. Encore une fois, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et je ne veux pas vous mentir que ça m'a pas rien fait d'être sur la moto et de savoir qu'elle sera à l'un d'entre vous, rouler dans le sud de la France, sur une RM du Seigneur, sous un ciel bleu. Oui, bleu, avec un beau soleil, on va pas se plaindre, il fait un petit 20 degrés, c'est quand même un pur plaisir. Encore une fois, bonne chance à tous les participants, et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubens 13, peace, et ciao tout le monde.